je dis à eux, puisque je sorti Port-au-Prince, je sorti Tiguave, je sorti au Caï, et je me suis chance et honneur pour parrainer pour vous ça avec Mme Sabine Martelly, qui c'est au monde du terroir, dévoué au département. Donc, on a eu une très belle cérémonie, et je suis fier de gratuire, et je pense que nous allons l'accompagner dans tout ça est fait, puisque il faut que réussi dans la vie, surtout là nous connaissons que la situation en Haïti est très difficile. Je tiens à garder à ce que ça fait à vous aider quotidien, mais quel message vous recevez? Le message c'est que il y a deux constats que nous faisons dans le pays, jeunes et apathie, et puis il y a corruption. Donc deux problèmes ça au corollaire. Jeunes et apathie parce que comme le pays n'a pas servi pour mettre l'infrastructure, il n'a pas servi pour créer une université, il n'a pas servi pour créer un cadre d'environnement. Donc, ces deux problèmes, ça, on a battu. Jeunes qui ont quitté le pays, pour que, comme qui dans le pays, ils servent à cause du pays, et les gens qui volent comme le pays, pour mettre le pays à comme. Moi, quand je dis, nous lançons bataille ça, et la bataille ça doit être faite, parce que c'est grâce à comme ça que nous avons encadré les jeunes, ça, une série de jeunes, 18 ans, 20 ans, 26 ans, qui ont même. Justement, tu as loué avenir pays et pourtant, il y a un pays à son problème, il est obligé de partir. Ça qui fait ça, parce que pas d'investissement pour eux. Nous-mêmes, nous te sauver les eaux. Si moi-même, parrain, nous, et dans Haïti. Mais je dis, il faut que nous créions une structure pour que les jeunes, ils aient été dans le pays, nous utilisons comme pays à chaque 5 centimes, nous bien utiliser de façon à ce que les jeunes aient vraiment tourné l'espoir de ce pays. Dossier Pédro-Caribéa, son premier pas dans le combat de corruption. Toute l'autre institution doit mettre ensemble pour nous combattre. Et m'espérer, le avant une séance, chaque sénateur a pris responsabilité. Puisque je dis, il y a un plus gros gangrène pays, c'est la corruption. Le président dit, nous-mêmes nous disons, société civile l'a dit, l'église dit, maintenant il faut passer de la parole aux âmes. Merci. Et c'est avec un grand plaisir qu'on est toujours dans le département, parce que c'est l'alma mater, je reviens toujours. Quand le travail doit se faire, je suis là, surtout les filles. Et on dit tant pour la nation, tant pour l'éducation. Donc c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Moi, je vais participer à la caravane éducation, la caravane de l'avenir. Mais parce que c'est toujours la même caravane qui a continué parce que nous avons formé les citoyens, il y a formé l'autre. Et pour ça, nous avons gagné des meilleurs, j'en ai prôné le temps. Pour nous, avons une association femme qui a dirigé, c'est AFKF, bonne nouvelle AFKF. Comment ça y est? AFKF, l'association femme pour les femmes, se porte très bien. Plus bien que jamais dans le département, parce qu'ils ont compris que la révolution mentale doit se faire maintenant. Je ne cesse de le dire pour les écoles avec les écoles, pour que nous comprenions ces pays liés. Il faut le travail pour le pays, il faut le travail pour les pays. En termes de projets, qui ça nous gagne pour le département sud, nous même dans la FKF. Dans la FKF, nous gagnons par exemple l'école de couture, bénévolat parce que comme vous passez ça pour l'autre.
connaît femme, c'est la matrice. Donc, femme, ça y est encore plus qui a le savoir, demandez pour partager. Et demandez tout pour pas peur échec. Je me dis là, discours moi, échec là, disposé là, parce que sans échec là, pas pour gagner réussite. Frères et sœurs bien-aimés, c'est un don de Dieu que nous soyons tous ici, dans cette église, dans cette cathédrale, pour rendre grâce à Dieu pour les bienfaits dont les étudiants sortant de l'école de droit et des sciences économiques de CAIL ont été l'objet au cours de leur temps de formation. Nous célébrons de la joie le couronnement de tous les efforts déployés par les parents, les proches, les amis, le corps professoral,
les responsables de l'institution, le ministère de l'Éducation et les recyclandaires eux-mêmes durant tout le parcours des études. Je suis très heureux de célébrer cette Eucharistie à vos intentions et je vous remercie de m'y avoir invité. En introduisant cette célébration eucharistique dans la cérémonie de graduation des finissants de votre école de droit, vous avez choisi d'adresser à Dieu, le maître de tout, la prière qui élève au plus haut sommet les intentions des chrétiens. Cette prière n'est autre que l'offrande du Christ à Dieu le Père. Vous avez également choisi d'écouter Dieu vous parler en cette circonstance si spéciale de la vie de ces récipiendaires. C'est pourquoi la question à laquelle il convient de répondre aujourd'hui dans cette cérémonie est bien celle-ci. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers la parole qu'il nous adresse dans cette liturgie? C'est le psaume du jour qui interprète bien pour nous ce que Dieu veut nous dire. Il nous fait répondre à la même question. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Le psalmiste continue pour dire, ce qu'il vit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Ta gloire. Envoie du haut du ciel ta bénédiction sur ces parchemins, et particulièrement sur ces récipiendaires qui auront à les recevoir. Que, qu'en recevant ces parchemins, ils deviennent signes de ta justice, de ton amour et de ta miséricorde parmi nos frères et sœurs ici, en Haïti et ailleurs. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom de la promotion sortante 2013-2017 en sciences juridiques et économiques, dénommée les rénovateurs, je vous passe le flambeau de l'ETSEC et je vous demande de le garder très haut et toujours allumé. Au nom de l'ETSEC ainsi que les étudiants de la quatrième année, je vous promets de le garder très haut et toujours allumé. Ce sont des cadres formés pour le pays, mais à la fois, cette promotion nous interpelle et nous dit que nous devons créer des emplois, créer du travail pour les jeunes qui arrivent, de telle sorte qu'ils puissent mettre au service du pays et au service de leur famille leurs connaissances. Donc, je n'ai qu'à féliciter le propriétaire de l'institution, le rectorat, les doyens, les professeurs. Je n'ai qu'à féliciter les parents, les amis qui ont supporté ces étudiants jusqu'à ce jour. Je félicite particulièrement les accompagnateurs, les parrains, les marraines qui accompagnent cette promotion. J'adresse des félicitations à tous les récipiendaires. Vous avez travaillé pendant 16 années pour atteindre ces objectifs. Que tous vos efforts soient couronnés et vous donnent d'être satisfaits de ce que vous avez pu. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
dans la paix du Christ. Bonne fête à vous tous. Vous allez rester dans l'église pour continuer avec l'autre partie de la célébration.